D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Donc il s'appelle Castle Crush. Castle Crush, donc pourquoi j'y joue? Enfin, pourquoi je me suis lancé, etc. C'est parce que dans le clan, il y a pas mal de personnes qui ont dit, enfin, qui parlaient de ce jeu-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter ce jeu-là? Enfin, pourquoi pas l'essayer? Donc là, je l'ai essayé quelques minutes. Et en fait, ça ressemble un peu à Clash Royale. Sauf que après, le design, il n'est pas pareil que Clash Royale. Mais ça ressemble un petit peu à Clash Royale. Ce qui change, en fait, principalement, c'est l'attaque. C'est-à-dire, je vous montrerai après. D'ailleurs, d'abord, on va faire un petit peu opening avec les coffres que j'ai. Mais en gros, si vous voulez, vous attaquez directement le château. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc là, on a le clan niveau 3. On le débloque au niveau 3. Moi, je suis niveau 1 pour l'instant. Ensuite on a le magasin, donc là c'est pareil que Clash Royale quasiment. Donc pour 1,10€ on a 80 gemmes, on a un coffre, un grand coffre, on a 1000 d'or. On a des cartes communes si on veut. Bah, deux, on peut acheter, tiens, on va l'acheter. 1, 2. On va passer ça au niveau suivant. On a ça, tiens, on va acheter ça, tiens. Nouvelle carte débloquée. Hop là, ça coûte assez cher par contre. Hein. J'ai pas beaucoup d'or pour l'instant. Et on a aussi les coffres. Donc grand coffre, ça ressemble plutôt au coffre magique. Coffre géant. Coffre magique et coffre mythique, c'est plutôt super coffre magique de Clash Royale. Et ensuite on a les gemmes, donc voilà, les gemmes, bon voilà, classique. Bref, du coup, pack opening, coffre gratuit, on a quoi, donc on a, ouh, 3 cartes, 25 d'or, 3 cartes, alors on a quoi? Nouvelle carte, ok, carte rare, ensuite on a quoi? Guerrier, donc là ce qui est bien c'est que vous cliquez dessus pour aller débloquer, et on a archer, donc ça j'ai déjà, mince. Et donc alors, il y en avait qu'un, dommage. Il y a un petit coffre à couronne, coffre de la victoire, ils appellent ça coffre de la victoire. Sur ce jeu-là, ils appellent ça coffre de la victoire. Ensuite donc, deck. Ouais, j'ai deux nouvelles cartes. Attends, ça augmente un niveau suivant. Voilà, et deux nouvelles cartes. Utiliser. Non, je vais pas utiliser, je vais garder. Parce que j'ai pas assez d'élixir. Enfin, vous allez voir pourquoi j'ai pas assez d'élixir. Donc là, 12 d'or. Ensuite on a. Ok, on va passer au niveau suivant. Une nouvelle carte commune, yes, petit squelette. On prend, donc attendez, je vais aller dans mon deck, je vais augmenter ça au niveau suivant, il me reste 112 d'or. Nickel. Donc on a deck numéro 1, je pense qu'on pourra faire plusieurs decks après, mais pour l'instant je garde qu'un deck. Donc là, bientôt niveau 2, je pense qu'on sera niveau 2 juste après ça. Donc 12 d'or, ensuite on a une carte épique, j'ai l'impression, ouh yes, une carte épique, ça a l'air intéressant, ensuite squelette, un petit squelette, une carte commune. Donc là, on va augmenter au niveau suivant, le squelette. Hop là, nickel. Nickel. Bah, je peux l'utiliser en fait. Ah, je suis niveau 2. Niveau 2. Donc le château gagne des points de vie, ça c'est cool. Bon, j'ai envie d'utiliser. On va utiliser ça à la place de ça, tiens, allez. Un dernier coffre. À la limite, on va jamais ce coffre-là à la fin, je pense. Attendez, quoique. Quoique, est-ce qu'on peut se payer quelque chose dans le magasin avec les gemmes que j'ai? J'ai 100 gemmes, on peut pas se payer de coffre. On peut se payer de l'or, 1000 d'or. Je sais pas si c'est beaucoup 1000 d'or. Je sais pas s'il vaut mieux payer de l'or ou gemmer les coffres. Je pense qu'il vaut mieux gemmer les coffres comme sur Clash Royale. Donc là, on a gagné un petit défi. Donc 16 d'or. Archer. Nouvelle carte rare. Guerrier orc. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, tant mieux. Si on a de nouvelles cartes, tant mieux. Nouvelle carte, ok. Donc là je peux rien augmenter. Est-ce qu'on se mettrait pas ça à la place d'une carte genre celle-là? On va tenter. Et donc là, attendez, j'ai une nouvelle carte ou quoi? Nouveau, oui. Rien d'autre. Je sais pas, ils mettent un petit 1. Ah non, c'est bon. Donc là, niveau 3, j'aurai un clan et après les classements arrivent bientôt. De toute façon, je viens d'installer le jeu il y a pas longtemps. Donc là, on est contre Blaze. Il avait 9 trophées, tiens. Là, on joue en ligne. Contre Blaze. Là j'ai de l'élixir, il faut mettre vite. Donc l'élixir en bas, donc vous voyez, alors je vous expliquais tout à l'heure, ça ressemble plus à Clash Royale parce qu'en fait, comme vous voyez, on a ben, les châteaux, sauf que là c'est sûr, en fait c'est dans la longueur, si vous voulez c'est dans la longueur, c'est pas dans la largeur, alors qu'avant c'était dans la largeur sur Clash Royale, enfin avant, sur Clash Royale c'est dans la longueur. Dans la longueur. Et du coup, c'est un autre style de jeu, en fait, c'est un autre style de jeu, c'est assez spécial.
C'est assez stylé parce que voilà, c'est comme Clash Royale, vous avez deux. Vos deux châteaux, pardon. Cherchez le mot. Donc vous avez vos deux châteaux. Tout simplement, là, vous avez vos deux châteaux et puis vous attaquez comme ça. Alors que Clash Royale, c'est plutôt du haut vers le bas, là c'est sur le côté. Donc c'est quasiment le même principe et je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, voilà tout. Et je crois qu'on est bien parti pour gagner contre un Argentin, a priori. Un Argentin. Il reste 1500 points de vie, 1300 sur son château. Donc je pense que vous avez compris le but, hein. Le but est simple, il est sur le château de l'autre. Et pour défendre, on a nos troupes, et pour attaquer, on a nos troupes. Donc voilà, et lui, pareil, pour attaquer, il a ses troupes, et voilà. Donc là, on a un coffre d'argent, on a 32 trophées, on a 3 en or. Yes, c'est cool, ça. Nouveauté, une petite nouveauté, a priori, on va voir. Ok, c'est pour aimer la page Facebook. Donc on va ouvrir ce coffre-là, tiens, on va tenter, après. Donc là, je vais juste débloquer ce coffre de la victoire, là. Donc là, on a gagné 32 trophées, c'est cool. Allez, on est contre Phoenix. Phoenix, pardon, il a 51 trophées. Donc par contre, il n'y a aucune tour qui défend. C'est vraiment vos troupes qui défendent. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. C'est vraiment vos troupes qui défendent. Hein. C'est, y a, le château fait aucun dégât. Après, peut-être que... Là, j'ai mon... Ouais, j'ai, là, je vais gagner en haut parce que vous voyez qu'il est niveau 3. Mais donc, ouais, comme je disais, peut-être que plus on monte au niveau, plus on pourra peut-être poser des choses sur sa tour. Mais je pense pas qu'on propose des choses sur sa tour. Hein. Pour défendre, pour que la tour attaque. Peut-être, je sais pas. Faut voir peut-être à haut level. Peut-être qu'à haut level, pourra poser des canons sur sa tour. Histoire de défendre. Enfin, d'avoir plus de facilité pour défendre, peut-être. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Double carte. Mais moi j'ai plus de cartes là. Dépêchez-vous. Yes. Ah, je l'ai mis trop tôt là. J'ai mis trop tôt celui-là. Ok, non, je mets pas ça. Combien de dégâts ça fait, ça, je sais même pas là combien de dégâts ça fait la bombe. Donc pour l'instant on est devant, j'économise l'élixir quand même tout de même parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Oh, je suis bien parti quand même, je suis bien parti. Après je sais pas si j'ai eu des bonnes cartes parce que j'ai l'impression que j'ai eu des bonnes cartes. En voyant pour l'instant comment je réussis les attaques, j'ai l'impression d'avoir eu des bonnes cartes dès le début. Donc dites-moi ça en commentaire, si vous, voilà, vraiment, vous connaissez le jeu, vous avez déjà joué au jeu, dites-moi en commentaire, que je sache un petit peu. 32 trophées, coffre d'argent. Et donc là, on a coffre de la victoire à ouvrir, on va l'ouvrir. Donc là, on a 3 cartes, 2 gemmes, 183 d'or. Alors, on a quoi? Squelette, ok. 7, pas mal. Archer, 16, disons. Et 3 pirates. Donc ça, on va augmenter les cartes, hein, au niveau suivant. Hop là, niveau 3. Et puis c'est tout. Après le squelette au niveau 3, ça au niveau 3 ou 4, et ça au niveau 2, voilà, donc on va se jeter sur le coffre là pour voir ce qu'il y a un petit peu dedans, et puis je crois que ça sera, on en fait le tour du jeu, puis si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos dessus, hein, pas de soucis, hein. Donc c'est parti alors, petit coffre en argent, on a qu'une carte, 19 d'or et qu'une carte, c'est bof, 3 guerriers, mince, non, je vais pas attaquer, bon c'est pas grave, on va attaquer, on va finir sur cette attaque. Donc ouais, les coffres d'argent c'est pas ouf hein, les coffres d'argent sont vraiment pas ouf je trouve. Donc là j'ai 64 trophées, l'une à 89. Donc ouais effectivement pas ouf les coffres d'argent, les coffres couronne par contre c'est bien. C'est un peu comme Clash Royale en fait hein, les coffres c'est quasiment le même type. Donc par contre là à gauche en haut il a bien des bien attaqué. Par contre j'ai l'impression que mes troupes sont quand même relativement bien, enfin bien élevées j'allais dire. Ils sont assez haut level, donc ça c'est cool. Et par contre, il n'y a rien qui défend. Si vous mettez rien, il n'y a rien qui défend. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Alors lui, par contre, il y a un squelette bleu là, il est assez embêtant lui. Il tire de long, ça ressemble un petit peu à un mortier en fait, si vous voulez. Un petit peu à mortier. Yes. Est-ce qu'on est bien parti ou pas? Je sais pas si on est bien parti pour l'instant. Donc là, j'ai mis une petite bombe. J'ai l'impression qu'on est bien parti. On va voir. Je mets ça ici, je mets ça là. Ouais, je pense qu'on est bien parti là. J'ai l'impression que j'ai bonne carte. Donc dites-moi ça en commentaire si vous y jouez. Dites-moi si j'ai des bonnes cartes en commentaire, que je sache un petit peu. Les cartes que j'ai. Donc là, je vais mettre. Parce que j'ai des gemmes, donc autant les mettre. Donc voilà, victoire. Hein. Coffre, un nouveau coffre. Donc là, on va l'ouvrir.
On s'ouvrira les prochains dans une prochaine vidéo. 96 trophées, donc pas mal. Dès que je suis niveau 3, je vais créer un clan, mais je ferai une vidéo dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà, mon deck, enfin mes cartes et mon deck, pour l'instant j'essaie, il m'en manque du coup, il m'en manque encore pas mal. J'en ai trouvé 10, il m'en manque encore 42. Donc voilà, petite vidéo sur Castle Crush. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à me le dire en commentaire, à commenter donc voilà la vidéo, à partager la vidéo. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.